Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Caféscope de ce mercredi 2 novembre 2022. Bon, comme vous avez pu remarquer, je n'ai pas fait de Caféscope lundi et mardi. Hein. J'ai fait exprès de ne pas faire de Caféscope comme parce que vous avez pu le remarquer que j'ai fini les signes astro du 1er au 15 novembre. D'accord, donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous dit. Ok, d'aller voir votre signe astro. Puis c'est bon, et puis voilà, mais écoute, on va pas perdre de temps. Hein. Je reprends le caféscope. Et puis voilà. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, hein, pour ceux qui passent par là, qui ne connaissent pas. Donc le caféscope, c'est une capsule où je fais avec les signes, on va les tirer d'abord un premier message. Alors, j'ai pris celui-là justement pour aller chercher un petit message, d'accord? Et puis ensuite, nous irons prendre un message énergie pour la journée d'introduction. Ensuite, nous irons prendre un message par signe astro, d'accord, pour la journée. Et ensuite, nous ferons une coupe et on ira prendre la carte de conclusion. Ok? Voilà. J'allais dire les loulous. Non, mais c'est mes... Allez, on est parti. Alors, du coup, j'ai pris le petit oracle des guidances étoilées pour ceux que ça intéresse. D'accord, si vous voulez aller vous l'acheter. Il faudrait que j'en prenne un nouveau petit jeu comme ça. Ça fait un moment, j'en ai pas beaucoup. Allez, alors... Quel est le message pour ce mercredi 2 novembre? Hop là! On va ranger de suite, ça sera fait. Et nous avons la passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Attendez, on va baisser un peu les oiseaux parce qu'ils font un peu beaucoup de bazar. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi, fais-le avec passion et par passion. Bon, mais effectivement, hein. Allez, hop là, regarde, si vous voulez vous le lire. Voilà, n'hésitez pas à vous mettre pause si vous voulez vous le relire tranquillement, d'accord? Donc là, on nous parle de passion hein, pour cette journée. On vous dit si tu te décides à entreprendre quelque chose. Donc déjà, si tu te décides, déjà, il y a une décision à prendre pour cette journée. Enfin, ou pas. Mais voilà, si jamais par cas vous décidez, on vous dit de le décider avec passion. Je dis souvent, quand on fait des choix, surtout ben, quand c'est des passions, des choses comme ça, ou des chemins de vie, il vaut mieux écouter son âme et son cœur. Je le dis tout le temps, l'âme et le cœur vous montreront toujours le bon chemin, d'accord? Et là, on vous dit clairement que si jamais vous décidez d'entreprendre, de faire un choix, d'entreprendre un projet, d'entreprendre une relation, on vous dit tout simplement d'y mettre tout votre cœur et d'y mettre toute votre passion, d'accord, les amis? Allez, on vibre la passion pour cette journée. Alors, on va aller prendre, donc pour faire le tirage, j'ai pris les messages de ton cœur, d'accord? Hop, je vous le montre si jamais, moi j'aime bien montrer, comme ça c'est évite que les gens posent des questions. Voilà, si vous voulez, n'hésitez pas à mettre pause pour vous noter les coordonnées. Voilà. Allez, vous voyez le dos de deck, il est tout rose comme ça. Vous voyez, et la tranche, elle est rose fuchsia. J'aime trop. C'est trop joli, hein. Et ils sont beaux. Dans celui-là, j'ai le même. J'ai le même avec les messages de ton âme. Vous voyez où il va être bleu. Et vous avez toute la tranche. Bon, évidemment, c'est un petit moment que je l'ai. Donc, vous voyez la tranche. Hop, par moment. Vous voyez, ils sont magnifiques, hein. Regardez. Et il me manque les messages de ton corps. Voilà, j'ai l'âme, le cœur et il me manque le corps. Donc bon, bien évidemment, il va arriver bientôt.
Peut-être que le Père Noël, il va me l'amener, hein, on ne sait jamais. On peut toujours y croire. Hein. Allez, pour toutes les personnes qui vont passer sur cette vidéo, hein, y compris ceux qui ne sont même pas abonnés à ma chaîne, le tirage est également pour vous si vous le souhaitez. Allez. Alors, pour ce mercredi 2 novembre, quelle est l'énergie centrale pour aujourd'hui? Ah, aïe, aïe, aïe. On parle de culpabilité. Stop, arrête l'auto-flagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Oh, alors le titre en soi, on se dit aïe, et puis une fois qu'on a lu le message, bon voilà quoi. Donc, stop, arrêtez l'auto-flagellation au lieu de ressasser ta culpabilité. Là, c'est en gros arrêter un petit peu peut-être de faire le caliméro, d'accord, sans méchanceté, bien sûr. Enfin, j'aime bien préciser à chaque fois parce que j'ai toujours peur que des fois quand on parle, pas du tout. Hein. Je parlerai de moi aussi comme ça. Enfin, voilà, je pars du principe que on a toujours des fiertés. Pourquoi vous voulez vous rendre coupable? Surtout, la plupart du temps, on va se rendre coupable de choses dont on n'est pas coupable. Je vous assure, c'est la vérité. Si vous cherchez bien, ouais, on se rend coupable de certaines choses que où on n'a pas lieu de culpabiliser, d'accord? Et puis, il faut aussi se dire que dans la vie, on réussit des choses, d'accord? Et c'est vrai qu'on a tendance souvent à ne retenir que le négatif, d'accord? Que ça soit sur des leçons vécues du passé, sur des relations, sur des situations. On a tendance à n'en retenir que le négatif, mais pour du négatif. Alors que c'est quand même plus intéressant de prendre le négatif et d'en retenir du positif, d'accord? Bon, là, c'est on vous dit d'arrêter de culpabiliser et de prendre conscience de ce pourquoi vous êtes fier, d'accord? Que ça soit pour vous, pour une prise de décision, pour une situation, pour une personne, peu importe, d'accord? En tout cas, voilà, on dit que tous ces événements qui font de toi une personne remarquable, le passé que vous avez eu vous a aidé à vous construire. Et ça, il faut le comprendre. Je sais que c'est compliqué, moi-même, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Mais aujourd'hui, je suis la personne que je suis. Pourquoi? Parce que j'ai vécu ça, ça, ça et ça dans mon passé. D'accord? J'ai appris des leçons, j'en ai retenu, je me suis pardonné, j'ai fait un travail. Enfin, vous connaissez les étapes. D'accord? Tout le monde passe par là. Mais justement, le but, c'est d'en retenir. Donc, admettons, si vraiment vous n'avez pas retenu le message passé, ça se représentera toujours à vous et ça recommencera. Maintenant, il faut tirer des leçons, d'accord, de son passé, enfin de ses erreurs, je veux dire. D'accord, pas forcément de son passé, parce qu'on peut tirer des leçons du présent, mais de ses erreurs ou de ses mauvais choix, ou même, voilà, si vous avez pris une bonne décision, eh bien, c'est aussi important de s'en souvenir, parce que la prochaine fois, vous savez que vous pouvez reprendre la même, ça ne posera pas de problème, vous savez que ça vous plaît. Par contre, j'irai pas faire telle ou telle chose, parce que je sais que ça va pas me plaire, parce que je sais que dans le passé, il y a eu des choses qui ça m'a pas correspondu, enfin c'était pas en vibration avec moi sur le moment, j'aimais pas du tout, enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment, on peut prendre de meilleures décisions, plus on avance, plus on prend de meilleures décisions. Pourquoi? Parce qu'on a essayé plein de choses, on a vécu plein de situations, on a vécu des relations, et tout ça, ça nous a permis de nous construire, ça nous a permis d'apprendre beaucoup sur soi également. C'est un peu le but aussi, c'est de voir se reconnecter à soi, c'est de voir savoir exactement qui on est. D'accord? Donc, faut pas oublier la belle personne que vous êtes au fond de vous. Peu importe, moi j'ai envie de dire peu importe, tout le monde fait des erreurs, que vous ayez fait les mauvais choix, que vous ayez trompé une fois, que vous ayez pris le mauvais travail, par exemple depuis 10 ans. Depuis 10 ans, vous avez un boulot, et ou depuis même 20 ans, il y en a, ça fait super longtemps. Et puis d'un coup, vous vous réveillez, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ben oui, ça m'a servi un temps, mais maintenant, peu importe l'âge que j'ai, peu importe, il est temps que je réalise mes rêves. D'accord? Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves, et j'insiste parce que parfois, on peut prendre conscience aussi dans un âge un peu plus avancé. Et ben forcément, c'est sûr que c'est compliqué, mais voilà,
Il n'y a pas de temps perdu parce que tout le temps qui a été utilisé, même si pendant 20 ans vous étiez dans un travail qui ne vous plaisait pas ou dans une relation ou une situation, c'est pas grave, ça vous a quand même construit, ça fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Donc vous devez accepter ce passé, vous devez accepter ces erreurs, ces changements. Alors je parle des erreurs, du changement, des mauvais choix et tout parce que je suppose que le positif, vous l'avez bien intégré. Vous voyez? Donc voilà. Bon, allez, trêve de papotage. On va aller prendre le message pour chacun des petits signes astro. Allez, on est parti pour vous les béliers. Alors, bonjour les béliers, vibration. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en étonnant ton chant ou ton mantra préféré. Ben, regardez, voyez? Si tu te décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Bon, ben là, les béliers, apparemment, vous êtes dans la non-vibration. Hein, pouf, une journée, pouf, sans vibration, quoi. Hein, sans. Et on vous dit qu'il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson. Donc, écoute, trouve quelque chose, mon petit bélier, sachant que c'est mon ascendant. Hein. Bon, déjà, je travaille. Alors, déjà, la journée va être bien occupée. Déjà, je bosse toute la journée, donc bon. Mais voilà, les béliers, n'hésitez pas à aller chercher quelque chose qui va les faire vibrer votre cœur, hein, peu importe, ça peut être une passion, pourquoi pas, hein, réaliser un projet, mettre en place quelque chose, aller voir une personne, sortir dans la nature, aller chercher quelque chose qui va faire vibrer votre cœur. Bonjour les taureaux. Pitié, cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte. Qui s'est offerte et à la main qui t'est tendue. Ah, une main tendue, les taureaux, aujourd'hui, vous pourriez recevoir de l'aide, donc ne fermez pas les yeux, ne fermez pas la porte. D'accord? Bonjour, les gémeaux. Feu intérieur, observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent, ce qui te passionne. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Waouh! Waouh, et on va aller chercher pour cette journée, je pense, quelque chose qui va nous faire vibrer. Mais c'est pour ça qu'on nous parle de passion. Et d'arrêter de culpabiliser justement sur tout ce qui s'est passé. Allez chercher la passion au fond de vous, quelque chose qui vous fait vibrer, quoi. Il est temps, vibrer, vivez, j'ai envie de dire, allez faire vibrer votre cœur, votre âme, quoi, d'accord? Bonjour les cancers. Respect, engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Une journée basée sur le respect, les cancers. Alors, pas que envers autrui ou les personnes envers vous, mais aussi vous envers vous-même. D'accord? C'est important de se respecter. D'accord? Si tu te respectes, les autres en face te respecteront. Je dis ça, je dis rien. Bonjour les lions. Gratitude, ton cœur t'invite à mettre en lumière les trois gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Bon, petit bilan des 24 heures, les lions. Hein, on va aller rechercher vraiment qu'est-ce que la vie nous a apporté pendant ces 24 heures. D'accord, on va aller chercher la lumière. On va aller chercher la lumière à l'extérieur pour l'apporter à l'intérieur. On est dans une journée de gratitude pour les lions, donc n'hésitez pas à remercier. Que ça soit l'univers, vos anges, ou tout simplement des personnes qui vous entourent, ou tout simplement la vie, ou vous-même également aussi, c'est important des fois de se remercier aussi. Et avec tout le boulot qu'on fournit intérieurement, et non mais c'est vrai quoi, on est aussi dans la gratitude du travail qu'on fournit, on est dans la gratitude de le fait de croire en soi, d'accord? Il y en a beaucoup d'entre nous qui ont perdu la foi. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, le seul espoir que l'on a, c'est la foi. Il faut trouver la force au fond de soi, d'accord? Bonjour les vierges. Éveille, éveille ta curiosité, ta spiritualité, ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimule et enflamme secrètement ton cœur. Ah, éveille ta curiosité, les choses à apprendre sur la spiritualité, sur son esprit. On a quelque chose pour vous qui s'éveille, les vierges, en cette journée, d'accord? Quelque chose qui va venir stimuler votre cœur, donc pourquoi pas peut-être l'amour. Bonjour les balances. Mélodie, ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi.
C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. La mélodie. Oui, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. Et oui, on s'aligne. Hein, on n'hésite pas à méditer, à faire des choses, ben oui, à faire des choses qui vont faire vibrer le cœur. Parce qu'en faisant des choses aussi par passion et en faisant des choses qui vont faire vibrer le cœur, ben forcément, hein, on sait que si le cœur vibre, c'est qu'on est sur le bon chemin. Hein. Bonjour les scorpions. L'amour pur. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Ah, les scorpions, peut-être une rencontre, une journée remplie d'amour pour aujourd'hui. En tout cas, beaucoup de joie, beaucoup de lumière et beaucoup d'amour pour vous aujourd'hui, les scorpions. Mais profitez-en. Profitez-en. Peut-être aussi pour certains, vous prenez conscience qu'il est temps de vous aimer, de vous apporter cet amour, d'accord? Bonjour les Sagittaires. Élévation, élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens la vibration de ce chant dans chacune de tes cellules. Ça, je vous assure, ça marche super bien. N'hésitez pas à le faire, ça. Hein, en chantant le mantra Om à 3 reprises, vous avez des méditations sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir. Et travailler les mantras comme ça. Vous allez voir, je l'ai fait pendant une conférence, c'est étonnant la vibration que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Je vous assure. Et vous allez voir que du coup, ça réaligne, ça équilibre et tout, je vous assure. Allez, bonjour les Capricornes. Alors, le non-attachement, ce bonheur qui t'emplit de haut en bas, viens de ton intériorité, détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Ah, on lâche prise, hein, les Capricornes, pour cette journée. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Ouais, le bonheur, on vous demande d'aller chercher à l'intérieur de vous. Capricorne, hein, détachez-vous. Alors, détachez-vous des personnes, mais également des objets. Okay, vous pouvez très bien avoir des objets qui appartiennent. Ça, tout le monde ne le sait pas, mais il y a beaucoup de choses hein, qu'on peut garder du passé qui peuvent nous empoisonner un petit peu le présent et l'avenir, hein, notamment les personnes, les objets, les situations. D'accord. Là, pour cette journée, les Capricornes, on nous demande le non-attachement de lâcher quelque chose. D'accord. Détache-toi de tous ces objets. Alors peut-être vous allez faire une journée de nettoyage, pourquoi pas. Mais bon ménage, les Capricornes. Mais voilà, en tout cas, on vide, on nettoie, on épure, hein, et puis on prend soin de son petit cœur. Bonjour les Verseaux. L'amour propre, l'amour commence et éveille d'abord en soi-même, et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi et chéris-toi les Verseaux. Et l'amour inconditionnel de soi-même, les Verseaux, on s'aime, on se love, on s'adore. Et on s'aime, on s'aime, on s'aime, on s'aime, les Verseaux. Ok, l'amour, il commence par soi-même, pas par les autres. Et pour terminer, c'est les Poissons. Coucou les Poissons. Et nous avons, appelle, ressens, monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles tout entières. Et on va vibrer les aujourd'hui, nous les Poissons. Alors pour ceux qui sont nouveaux, hein, pour les nouveaux abonnés, je suis Poisson ascendant Bélier. Voilà, je vous le dis si ça vous intéresse. Voilà, si vous êtes Poisson, ben bienvenue hein, dans la team Poisson. Voilà, hein, on ressent un appel, hein, les Poissons. Là, on est, on ressent cet appel, mais franchement, mais tout à fait. Hein, je ressens. Alors, on sait très bien qu'il y a un renouveau qui approche, on est plusieurs à le ressentir au fond de nous ces derniers temps, et c'est totalement ça en fait, hein. C'est totalement ça ce que je ressens actuellement depuis on va dire à peu près 2 semaines, voire quelques jours à 2 semaines, c'est vraiment ce que je ressens, hein. C'est les énergies, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose qui est en train de se mettre en place, je sens que pas mal d'entre nous allons vibrer. En tout cas, pour cette journée, on vibre. Allez, on fait la coupe, ok, et puis on va prendre donc l'énergie finale.
Et voilà la puissance de la vibration, les amis. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il te transformera en amour et en lumière. Tu expireras tout autour de toi la puissance. Voyez, l'intérieur de soi, toute la puissance que l'on peut dégager derrière. Alors, je vous approche la carte comme ça, si vous voulez. Vous la regardez, vous mettez pause, n'hésitez pas. Ok? Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Eh oui. Inspire une situation négative. Voilà, si vous vivez dans cette journée quelque chose de pas très agréable, forcément qui est négatif, je ne dis pas non plus forcément beaucoup négatif, mais il se peut que dans cette journée, vous viviez quelque chose qui essaye de vous déstabiliser. Hein. Bien évidemment, de toute manière, à partir du moment où on est sur le bon chemin, vous inquiétez pas que l'ombre, elle est toujours là pour essayer de nous attaquer. Mais bon, comme on dit toujours, la lumière, elle gagne toujours, vous inquiétez pas. Vous êtes bien plus fort que ça. Vous avez cette force d'aller chercher au fond de vous. D'aller chercher au fond de vous, quoi? Cet amour que vous avez pour vous, cette lumière. Ma chaîne, elle s'appelle Lumière de l'âme. Pourquoi? Parce qu'on est toutes des lumières de l'âme. Notre but, c'est d'aller chercher la lumière au fond de notre âme. D'accord? C'est pour ça que je dis, je suis une lumière de l'âme, vous êtes des lumières de l'âme. D'accord? Voilà, on est tous des lumières de l'âme. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette chaîne, parce que le but de notre vie, c'est d'aller chercher cette lumière et de la faire ressortir, de la faire jaillir, d'accord? Voilà, de lui donner la puissance. Là, on vous demande limite aujourd'hui d'être un soleil hyper puissant. Puissant dans l'énergie, puissant dans l'amour, puissant dans le rayonnement, d'accord? Voilà, c'est vraiment des énergies comme ça qu'on va vous demander en fait d'aller chercher. D'accord, les amis? Donc voilà, donc ne culpabilisez pas, d'accord? Aujourd'hui, vous avez assez donné, maintenant, il est temps de penser à vous, d'accord? Vous avez des pouvoirs, vous le savez, il est temps vraiment de rentrer dans cette passion, il est temps vraiment d'aller faire des choses qui vous passionnent, d'accord, les amis? Allez, on va s'arrêter là, combien? 22, allez. Moi, je vais vous faire de gros bisous, je vais vous souhaiter un très bon mercredi, je vais aller me préparer. J'allais mettre la vidéo à télécharger, j'espère qu'elle sera en ligne. Ah non, il est 7h10, j'avais pas vu l'heure. D'accord, ok. Bon, ben toutes mes excuses, elles seraient un peu en retard. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous dit. Un petit pouce. Et puis si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous. Très bon mercredi à tous. On se retrouve demain pour le Caféscope. Bye bye.